Bonjour. Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Zen, d'après l'autorat, c'est zen. Tout le monde est zen. Ça, le budget, oui, le budget, oui, le budget. Les gars, croyez quoi ? Maxime, il me paye pas, faut moi que ça parte quelque part. On est parti pour une nouvelle saison Z. C'est la saison 2, c'est l'épisode 1. Ah, des nouvelles caméras aussi. Ah oui, ça on en a pas. Ça, Maxime, a pas l'air. Allez, en moins moche que d'habitude. J'entends, je suis là, j'entends. Juste là, regardez, il y a une caméra ici. Une caméra ici, vous avez pas le temps, hein, vous avez pas le temps. Oh, oh, regardez. Ah, oh. Je vais gerber, les gars, je vais gerber. Arrête. J'ai une annonce à vous faire. Les flops et tout, c'était marrant une saison. Maintenant, c'est plus les flops, c'est l'air des bangers. Il n'y a que des bangers. Ça y est, c'est plus. Il n'y a plus de flops. Cadré un peu plus à gauche, on voit toujours Grimm. Ça, malheureusement, voilà, on est un peu obligé. Ah, tu vois, c'est un peu les blagues qui ne marchent pas. Ah, je suis pas d'accord. Tu vois, je suis pas d'accord. C'est trop bizarre. Là, tu vois, 4 plus à droite, on voit trop Maxime. Là, tu vois, j'aimais trop ça. Non, j'aime pas trop ça. Bonjour. Oh là là, regardez, il est à l'aise. Qu'est-ce qu'il est content d'être là. Mon ref. Il a, ça va. C'est moi qui fais l'émission. Sur ma chaîne. Ça va, ouais. Je vais t'appeler sur Insta et tout. Tu sais qu'il faut pas que je sois ban, c'est tout ce qu'il faut que tu saches. C'est moi le roi du ban, les jeunes. Ah, je savais, en plus il ne pas, il dirait pas ça. Je te ban. Qu'est-ce qu'elle a ma moustache, tu dégages, allez. Tu sais, mon front sera jamais aussi grand que mon compte en banque, espèce de fils de pute. T'es content d'être là? Pardon, j'ai pas tenu. Oui. On s'est dit, l'émission qu'on faisait l'année dernière, c'était un petit labo, on s'est beaucoup amusé, on a fait n'importe quoi. Labo. C'était un petit labo. Tu te fous de ma gueule? Qui c'est qui se fout de ma gueule? Qui c'est qui se fout de ma gueule? Parce que je suis un peu. C'est la rentrée. On est en home page, tu dis vive tweet. Personne n'a envie d'être là, d'accord? Non. Personne n'a envie d'être là. Donc maintenant, vous tenez 2 heures, d'accord? On fait l'émission chacun rentier soi. Et on va arrêter ces petits trucs là. C'est toi qui j'ai fait les petites remarques. Non mais les petites remarques. C'est toi qui chuchotes tout à l'heure. 15. Je pense pas que j'ai fait 15 minutes. 15, tu vois. Du coup, t'as pas manqué aux gens. Ah ouais. Non. Si, j'ai reçu des messages. Là, c'est la homepage qui est. Sinon, on serait sans quoi. Ah, c'est chiant ça, par contre. C'est chiant ça. Maxime Ultra BG, Grimm, ça va. Ok, j'aime bien. Max, tu t'es boxe pou. Ouais, pull up, dis-tu. Comment tu m'as lancé? Du coup, on fait les petits jeux. On fait les jeux, mais on est en train de faire les jeux. On est en train de rigoler là. On est en train de rigoler, t'es pas en train de rigoler? Tu passes pas un bon moment? Tu me le dis. Je veux dire, à un moment, ça me fait chier ça. C'est en train de me faire chier ça. On est en train de faire des trucs, je me fais chier à faire des fiches. J'ai imprimé des fiches, je les ai collées avec la colle. J'ai collé, j'ai mis une heure à coller. C'est moi qui les ai collées. Virus South. Ah, on va la couper celle-là. Direct. Oh, non, pas couper. Cyrus. Non, parce que moi, pour mon image, c'est important que les gens me trouvent marrant. Ah, putain. Donc si je peux la refaire et vous rigoler et au montage on la refait, on revient en arrière. Moi je connais son demi-frère, c'est Cyrus South. Mais c'est, il est hilarant, mais invite-moi au Bercy. South. Mais d'où il sort ça? Mais d'où il sort ça? Mais. Ah, pardon. South! Écoutez la drill, je fais une drill. Il m'a dit, ouais, j'ai pas les refs et tout. Est-ce que je peux vous montrer à quel point je connais la drill? Bien sûr. Non. Oh non. Ah, merci. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Hey, les bonbons sont remplis. Non, on est en page. On est gentil. Bonbons sont remplis d'amour et de câlins. Alors il y a chez Dinosaur qui dit joue ta mère. Écoute-moi bien, toi espèce de petit enculé. Je vais te dégager. Vous me le bannez lui. Chat Dinosaur. Derrière ce pseudo se cache une âme meurtrie par les mots. Si aujourd'hui tout sourit à Big Flo, pour Chat Dinosaur, rien n'est plus comme avant. C'est dans sa ville du 95 que nous avons rencontré ce jeune homme qui, malgré son 1m90, cache un cœur en lambeaux. Du coup, c'est moi, Chat Dinosaur, 22 ans. C'est moi qui ai écrit Joue ta mère. C'était pendant le confinement, voilà, j'avais plus cours. Donc je passais un peu mon temps sur Twitter, Twitch, je regardais des streams, tout ça. Du coup, je vois Big Flo qui lance un stream sur Animal Crossing. Donc moi, bah, j'avais pas la chance d'avoir la Switch à ce moment-là. Intéressé par le jeu et comme je connaissais Big Flo de par ses sons, etc., je me dis, bah, d'une pierre deux coups, ça peut être intéressant de regarder. Et simplement, je voyais qu'au bout de 15-20 minutes, il commençait pas à jouer. Simplement, j'ai perdu patience. J'ai lâché effectivement ce fameux joue ta mère, je me suis un peu fait avoir. Ça s'est passé à ce moment-là. Du coup, bah, j'ai screen quand c'est arrivé parce que
juste pour envoyer à mes potes, parce que ouais, si c'était à refaire, je ne le referais pas, c'est sûr. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu ? Oui, plusieurs fois. D'ailleurs, encore hier, j'allais me chercher un grec. Je suis rentré pour prendre ma commande, on m'a dit « commande ta mère ». Je ne l'ai pas très bien pris. Je voudrais quand même qu'il sache que j'ai absolument rien contre lui ou contre sa mère, justement. Je suis simplement un fan de jeux vidéo qui passe un peu de bon temps. Sam, j'ai la gorge nouée, quoi. C'est... Tu vois, c'est ça... Non, mais ça se voit qu'il est gentil, quoi. C'est... Non, pleure pas. Non, je voudrais faire un geste pour, ce, pour cet homme. Oui. C'est moins 15% sur ma marque de vêtements. Même pas 20. Bien, tu vois, de ce que ton, on te critique sur quelque chose, tu décides d'en faire une force, un peu comme tu as fait avec... Le truc, là. Avec quoi, les gars? Avec quoi, les gars? Non, mais... Avec quoi, ça, avec quoi? Ça sent, là, ça sent. C'est comme, non, mais... Non, là, ça sent. C'est comme, non, mais j'ai pris un exemple. Le comment... quoi? Quoi, j'ai quoi? Attends. Avec le... Ah, j'ai un truc, c'est sûr. Ouais, sûr, j'ai un truc. T'as un truc sur le en plein milieu du visage. Ouais, c'est pas, non, j'ai pas c'est vu. Ça, c'est ça. C'est ok. Timité dans le rap. Tu t'en fiches. Bah, comme tu dis, on a fait les rap contenders, on a fait les freestyles. On est validé par des gens qui comptent vraiment pour nous. Ouais, moi. Je comprends que. Je comprends que des mecs. J'arrive pas à les trucs comme ça. C'est chier. Non, mais putain, c'était intéressant, tu vois, c'était intéressant. Je laisse ma parole à mon coéquipier, mon âme sœur, mon amour. Mon qui bébé qui volé, qui n'est pas payé depuis un an, qui devrait avoir Zen sur sa chaîne depuis plus d'un an. J'ai la toux qui, ouais, c'est ouf. Qui me rate de son côté, ensuite on sélectionnera deux. Voilà. Derrière chaque t'as image, il y a une question. Lui, c'est celui qui a refusé le feat. Orelsan a refusé le feat. Non. Il a refusé le feat. Non, c'est bon. Oh, arrête! Mais tu sais pas enlever le micro, tu sais pas l'enlever? Arrête-le! Non, Big Flo! C'est bon! T'avais dit qu'il allait, ça allait pas lui gêner cette blague! Il y a un mec qui est venu en studio nous contacter pour Eminem. Et Slim Shady, que ça c'est Slim Shady, please stand up! Laisse-le finir, je vais te mettre une balle dans la tête, frère! Je vais te vider un chargeur! C'est pour ceux qui connaissent pas. Tu fais des petites blagues là, tu fais tes flops, apparemment vous avez un petit délire. Non. T'as rien écouté de mon putain d'album. Si, j'ai écouté. T'as rien écouté de mon putain d'album. Pose lui une question, on va le fumer. Si, je l'ai écouté. Pose lui une question. J'ai écouté. T'as rien écouté de mon putain d'album. Comment s'appelle la chanson avec Vald? Fan. Je t'ai ton fan. Je comme Oli, je fais pas le feat comme Orelsan. Non, c'est bon, pardon. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Il l'a cherché. Il l'a cherché. Il devient fou. Il l'a cherché. Il devient fou, non, Flo. Ah, là, je l'ai écouté l'album, hein. Oui, moi. Voilà. Et moi, j'en ai marre. Ça fait rire. On ne touche pas à mon flow, parce que moi, je suis un peu possessif. Et si on touche à mon flow, attention à ce que je peux faire, hein. Hein? T'es pas son parce frère. Parce que moi, la tôle, ça me fait pas peur. Donc, T'es pas son frère. Ok. Hey. Bienvenue. Hey. Ouais, c'est le cabaret. Concept de TPMP, rien n'a bougé. Tout est pareil. On n'a pas changé 2-3 trucs avant On n'a rien changé, sauf qu'ils avaient plus de budget, donc... Mais les trucs qu'on a changé là, bon. Allez, on enchaîne, Derrière ce rideau, il y a soi. Un vieux monsieur qui fait de trottinette. Il est vraiment très à l'aise avec. D'accord. Il est en comme ça. Ouais. Ou un gars qui fait des implants chirurgicaux de calvitie. De type Turquie. Ouais, voilà. Okay. Le vieux à trottinette. Mm-hmm. Parce que l'autre, les implants, y a rien. Tu viens d'inventer ça par rapport au chauve casquette, toute la blague qu'on a eu depuis tout à l'heure. Ouais. Et t'as insinué qu'il a une calvitie, c'est pas cool. Je connais déjà ton schéma mental. Attends, je peux poser une question. C'était le chauve. Oh, le twist. C'est quoi la chauve. Le twist. Regardez, il fait des implants. Regardez. Le twist. Il fait des implants. Attends, mais il me dit quelque chose, ce chauve. Regardez. Ça a regardez. Les gars, mais regarde, dans une clinique. Regardez, bien sûr, c'est, plans, c'est même pas si what the fuck que ça. C'est un pauvre mec qui a mis un bonnet de bain et un gars derrière. Et je les ai vus en rentrant. Et mon frérot, je les ai vus en rentrant, il avait déjà le bonnet dans la main.
Non, c'est faux, t'as pas vu ça, t'as pas vu. Mais c'est pas, vous êtes pas au point sur cette émission. Soit derrière, il y a Mbappé qui dit « Le football, il a changé ». Soit il y a LeBron James qui dit « LeBron James ». Voilà. C'est même pas... Il y a rien, il y a juste un maillot. Il y a rien, voilà. C'est vrai, c'est ça la vanne. C'est LeBron James. Voilà, il se branle, du coup il lance un PQ. C'est bon, tout le monde là. LeBron James, il s'est branlé. LeBron. Regarde, il est dans la pièce. Allez. Allez, à moi, on change derrière. C'est Excalibur, sauf que c'est une bite à la place de l'épée là. C'est un ton grand âge, frère. Max, t'as 25 ans. Les gars, écoutez-moi bien. Je vous le jure. D'accord. Je vous le jure, d'accord. Je suis pas au courant de ça, je vous le jure. Et moi, j'aurais dû trouver Excalibur sans aucun. Mais j'en sais rien. J'aurais dû dire là. Derrière, il y a un peu Rangers, c'est tout. Il y a pas de truc de blague. Il y a un Power Rangers, il est là. J'espère que c'est ça. Mais il y a pas de mise en scène. J'ai un bon rêve. Ou là, Heisenberg. Évidemment, pareil, à chaque fois, Power Rangers, Heisenberg, c'est pas les vrais. C'est toujours le même gars. Oui, je me doute. Et fait... Ça serait dingue si c'était le vrai acteur, là, pour le coup. Je vous laisse les gars. Tu penses qui? Tu penses c'est Power Rangers? Power Rangers. Moi, je pense à Heisenberg, mais je voudrais que ce soit le Power Rangers. Je dirais Power Rangers. Les gars. Vas-y, soulève-moi. Les gars, je suis désolé. Les gars, je suis désolé. Regarde, il montre. En plus, c'est Théo aussi. Il montre, regarde. Non, mais on a compris que c'est Heisenberg, frère, arrête de montrer. Il y a la petite musique. C'est Théo, c'est ça qui m'énerve. Ouais. Moi, ce qui m'en. C'est impossible. On peut pas faire pire. C'est l'avant-dernier, il est forcément bien. Ok, c'est soit c'est une grand-mère posée à la chicha en bas du bat, soit le père de Flo. Il y a des gens qui ont tenu l'émission en entier là, il y a des gens qui regardent vraiment chez eux en mangeant la 2h straight. Mm-hmm. C'est mon père, parce que chicha en bas du bat, ça se voit que c'est ton humour, je te connais pas beaucoup mais ça se voit. Mais ton père, tu sais où il est? Non mais ça doit être votre pote avec un béret. C'est votre pote avec un béret? J'espère pas. Si c'est ça. J'espère pas. C'est votre pote avec un béret pour faire mon père là? Vous avez pas une autre question avant? Dernier, c'est le dernier. Oh putain. Il a intérêt d'être bien, tu nous dis deux propales, une vraie et une fausse. Oh non. Me dis pas que. C'est soit Maxence en Batman qui fait une petite danse, ou Léopold dans Spider-Man qui fait du rap. Moi qui fais du rap. Qui fait du rap. Mais on l'entend pas. C'est pas possible. C'est un color show. C'est un color show. Mais tu l'as fait venir juste pour qu'il fasse Spider-Man, mais le pauvre. Attends, mais c'est une ref à quelque chose? Non, c'est un color show, c'est un color show. Et pourquoi Spider-Man? Bah ça. C'est Freeze, non? Dourag et le Colors d'Orange, je crois que c'est Freeze. Viens avec nous, mon frère. Je sais pas. Avec nous. Je pense que c'est sur cette phrase qu'on va finir. Merci à tous, je pense que personne ne veut bosser avec nous. Et c'est... ça, c'est bien vrai. Merci à tous d'avoir suivi. Merci infiniment, mon Flo, d'avoir été merci là. Merci Flo d'être venu.